Bonjour, je vais faire la dégustabox du mois de juillet. Je l'ai reçue, j'étais la chercher quand? Vendredi, j'étais la chercher. Regardez pas ma tronche parce que j'appelle ma coiffeuse. Ça recommence. Ça dure pas longtemps en fin de compte. Hein. Pas 2 mois. Et encore, je suis même pas sûr que ça fait 2 mois. Enfin, bref. Donc, on a eu. Oh, j'ai une drôle de voix. J'ai. Dans la dégustabox du mois de juillet, on a reçu une carte cadeau. C'est nouveau apparemment. Woodfighterie, carte cadeau. Stylio Way. Conseil personnalisé, sélection individuelle, service gratuit. C'est une carte cadeau de 30 euros. 30 euros. Donc obtenez des conseils gratuits et faites votre propre choix. Pas de stress, dites-nous tout simplement ce qu'il faut. Ne payez que ce que vous conservez. Ah oui, c'est-à-dire comment on prend des fringues personnalisées, ouais, c'est en fonction de ce qu'on veut et ils envoient. Et puis si ça ne te plaît pas, tu renvoies ou tu gardes ce que tu as envie. Mais on a une carte cadeau 30 euros au cas où. Si jamais on commande. Et qu'on prenne que pour 30 euros, ben voilà, 30 euros. Voilà. Donc c'est ça. Donc je confirme, hein, Reebok existe toujours. Ça c'est pour remettre un peu les choses en place. Enfin bref, nous ne dirons rien, nous restons zen sur les commentaires. Après, nous avons eu, nous aurons donc dans la dégustabox de Kerk. Cadillac, les galettes bretonnes, les grandes galettes bretonnes, pour une pause gourmande et croquante. Voilà, chez les Bretons. Alors j'aime bien parce qu'ils disent ça, mais on ne sait pas d'où exactement Cadillac. Il faut que je regarde où ils sont, où ils se trouvent. Et puis nous aurons, je suppose, peut-être du chocolat. Non, je crois pas qu'il y ait du chocolat. Il n'y a pas de bière? Et de la bière. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis l'atelier, les recettes de l'atelier du chocolat. Enfin, ah oui, parce qu'ils nous ont mis des petites barres de chocolat. Au raisin et chocolat. Ah bah tiens, comme t'aimes bien, toi. Et autrement, bah voilà, pour box du mois de juillet, c'est la box de juillet à la française. Pour une fois. Voilà. Donc nous avons, pour une fois, non, on a eu des produits français. Hein, dans la box. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ils n'ont pas mis de boisson. 13, 13 produits. Si, il y a une boisson pétillante aux fruits. Et il y a du Joker aussi, Ah. en jus. Il n'y a pas de bière. Non, l'alcoolique, il n'y a pas de bière. Il a vu toutes les bouteilles de cidre et les bières. Non, il en reste encore une. Oh, mais il est cassé, il est craqué. Il va falloir... ouais. C'est quelque chose là parce que ça va s'en aller. Alors nous avons des excusez-moi pour le bruit, mais c'est les gamins qui sont en bas qui jouent, ils sont en vacances bien sûr. Mais ils partent demain pour une semaine, donc on va être tranquille. Pendant une semaine. Ils vont aller à Paimpol, ils vont faire chier les Bretons à Paimpol. Donc nous avons des sticks et des bretzels. Comme t'aimes bien. Pour l'apéro, nous avions eu le mois dernier. Sauf qu'ils étaient aromatisés, je crois bien. C'était pas les naturels. C'est les Brezel, Ansel Brezel Sport, édition limitée. Ah, c'était pour la Coupe de France. Coupe de l'Euro. Voilà. Donc, c'est 300 grammes. Et il va falloir qu'on voie pour les mettre dans quelque chose ou peut-être en dessous parce que il est craqué. Le sac a dû tomber dans le. Nous avons des chips à la bretonne subtilement beurrées. Beurre salé, ouais. C'est un paquet de combien ça? 125 grammes. 100% française. Des pommes de terre, une cuisson à l'huile de sel, arôme naturel. Ça existe depuis 95 ces chips-là. Ah, ils sont de chez moi. C'est vraiment plus.
Ils sont du 56 920 à la Saint-Guéran. En fin de compte, ce que je reçois là-dedans, mais en fin de compte, c'est du 56. Vous voyez, allez, Marie, allez, on est bien. Voilà, produit en Bretagne. Donc, ça, c'est, voilà. Des chips, la marque Bretz. Bah oui, logique. Après, nous avons des grandes galettes bretonnes aux pépites de chocolat de 140 grammes. Ça, ça va être bon, ça. Elles sont fourrées. Aux pépites de chocolat, elles sont. Je ne vous ai pas dit les prix. Oh, j'ai à côté de la pompe aujourd'hui. Côté de la pompe. Ça, ça coûte 1,49€ les chips. Et les sticks en sel, 1,95€ en magasin. Et ça, les grandes galettes bretonnes, 2,45€. C'est un paquet de 240 grammes. Donc je ne sais pas combien il y en a exactement dedans. Mais bon, ça va être une tuerie. Hein. Après, nous avons du sauciflard. Nous avons de la ficelle. Ah, je crois que Christophe, il n'a pas eu la ficelle, lui. Il n'a pas eu un saucisson, Christophe, carrément. C'est ça qu'il a eu. Ah, il a eu une ficelle aussi. Ouais. Oui, c'était un saucisson, moi, qu'il avait eu. Bah, c'est quoi? C'est un saucisson. Non, ça, c'est quand même juste un bridou. Oui, bah, c'est ça qu'il a eu. Mais moi, j'ai cru qu'il avait eu un gros saucisson. Non, c'est ça qu'il a eu. Donc, on a un saucisson, ça s'appelle les copains d'abord. Il a même dit qu'à la fin, il y a que ça qui lui plaît. Henri Raffin. C'est difficile, Christophe. Hein. Franchement. À part le Joker aussi, je crois. Il aime bien. C'est vrai que bon, on a du répétitif sur les. On sait d'avoir un stock. Voilà. Et les chips. Mais après, les chips, c'est pas toujours les mêmes qu'on a. On a de la chance, on n'a pas de cidre et pas de bière. Donc, Chris, il va être content, il n'y a pas de cidre. Et il me les donne. Il n'y a pas de bière. Allez, je rigole. Les copains à bord donc de chez Henri Raffin qui existe depuis 1937. Je connais pas du tout cette marque. Chris, tu veux pas les bières ou les si tu me l'envoies, moi j'adore ça. La ficelle nature, c'est chez ici Alpin. Voyaux et fleurs naturelles, cochon français. Emballage 100% recyclable. Ouais, vive les cochons. Donc c'est un 170 grammes. Voilà, c'est une ficelle. Putain, ça coûte cher en magasin, non? 3,50€, bah, écoute. Mais je connais pas du tout cette marque, les copains d'abord, moi. Les copains d'abord, nanana. Et vous avez encore écran noir. Bébé, c'est pas la vie vacances. Désolé pour l'interruption, il y a un souci. Désolé, nous avons un écran noir. Un écran noir. Donc voilà, après nous avons eu des pâtes. Alors en plus, j'ai fait toute une comédie quand j'étais avec la fille au magasin l'autre fois. Si je m'achetais des coudes. Et enfin, ah, ça, c'est des coudriers. Moi, c'est peut-être pas des coudriers. C'est des coudes tout court. Je savais même pas que ça existait des coudriers. Coudrier aux œufs frais. Œufs de poule élevés en plein air. Lustu Cru. Bonne marque, Lustu Cru. Donc c'est un paquet de 250 grammes. Voilà, c'est des coudes. Donc ça coûte 0,96 centimes le paquet. Coucou. Et apparemment, il y en a deux. Coucou. Deux par box. Coucou. Sauf que là, pour attraper les aliments Coucou. Dans la box, ça va être un peu compliqué. Coucou. Merde. Okay, j'ai Monsieur Blacko qui est dans la box. Il a cru que c'était la vie. Bébé. Coucou. Oh, c'est moi. Tant pis, je prends ce qui arrive. Hein. Monsieur, il y a un blême. Très curieux, Blacko. Je crois qu'en tout ça, regardez où il a mis sa petite tête. C'est quoi ça? C'est moi ça?
Donc ça, c'est des Haribo Dragibus. Haribo, c'est beau la vie. Original, c'est les originales. Vous savez, c'est les toutes petites. Haribo, c'est beau. Toutes petites qu'ils faisaient avant. Il est grand, il est petit. Avec un zip. Refermable. C'est un paquet de 220 grammes. Bah, c'est les mêmes que... Non, ça c'est là-bas, c'est les grosses, ça c'est les celles qu'ils avaient fait tout au début, les tout petites. Ah. Hein? 220 grammes. Voilà. Donc, c'est les originales. Donc, elles sont à tout. Convient aux végétariens. Ça, ça coûte 1,56€, ces Dragibus. Et puis, je peux vraiment rien prendre. Hein, là. Après. Ah. Un gobelet. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent ça dans... C'est vachement protégé. Hein. Oui, c'est un petit, c'est bien. Hein. C'est ça. Vachement protégé, ouais. C'est quoi? Les trucs, oui, c'est, vrai. C'est la première fois que j'ai un truc qui est un peu cassé au bout. Hein. Normalement, j'ai pas. C'est pas grave. Normalement, j'ai pas. Regarde, pépé. Et là, j'ai eu un peu de confiture et ils l'ont mis dans un petit truc de la bulle. On va le garder d'ailleurs parce que ça peut toujours servir pour protéger autre chose. Donc là, c'est un pot de confiture de fruits rouges. On n'avait pas eu un la dernière fois ? Non, c'est la première fois qu'on a un pot de confiture. Ah. Moins 40% de sucre et c'est un bio. 65% de fruits. C'est un pot de 300 grammes. Ça, ça coûte 3,40€ en magasin. C'est la marque Purvia. Et c'est bio. Voilà. Aux fruits. Fruits rouges. Ah, j'adore ça. J'adore les fruits rouges. Ah, t'as vu le haut, l'on fait avec la fraise. Le haut de bio. Ah oui. Ils l'ont fait avec le fruit. Ah bah là c'était des coups tout à l'heure et là maintenant c'est des fusilis aux œufs frais. C'est pas la même marque de pâte. Bah Christophe il a eu deux fois les coudes. Et bah moi ils m'ont mis des fusilis aux œufs frais. Donc 250 grammes. Pareil ils sont aux œufs frais donc c'est la marque plus tu cru. Voilà écran noir. Plus tu cru. Donc ça, je vous ai dit, ça coûte 96 centimes le paquet en magasin. Voilà. Après, nous avons quoi? Du lait concentré sucré, arôme naturel, café, pocket. Ah, c'est pour... Comme ça, là, pour manger comme ça. Mais normalement, il y en a deux, je crois. Deux saveurs par box. Il y a bébé qui se barre avec le truc de bulle. Il adore refaire exploser les bulles. C'est ce qu'il va faire, vous allez l'entendre. Il vient flarque. Oui, l'autre fois, il avait pris un truc comme ça. Et là, il ne fait pas, mais l'autre fois, il marchait dessus. Là. Alors, on a fraises et café. Oui, il est. Oui, il est. Oh, il va te coucher. Mais ça coûte 69 centimes, ça. Douche. 69 centimes l'unité. Mais ça à boire comme ça? C'est du lait, du sucre, un arôme naturel et c'est tout. Il existe aussi un arôme vanille. Mais il faut mélanger avec du lait? Non, c'est soit tu le bois comme ça. C'est hyper sucré. Mais t'as jamais fait quand tu étais gamin? Non. Et après, il se concentrer, on mangeait comme ça. Mais après, tu peux, si tu veux, tu mets en ton lait. Moi, à mon époque, en 1960, on ne connaissait pas. 1800 et poussières. Enfin, voilà, il y en a deux, régilet, fraise et café. Moi, j'aurais préféré qu'ils donnent fraise et vanille, mais bon, pas grave. Bah, mais toi, tu n'aimes pas le café? Non. Bah si, c'est du lait concentré. Oh putain, je viens juste de le dire. Eh bien, si on le met dans du chocolat ou du machin. Oui, ben, tu peux essayer, ça le fera pareil. Sauf que c'est vrai qu'avant, normalement, on le boit comme ça. Enfin, peut-être pas la fraise, mais bon. Si, je peux mettre dans le... Du lait normal. Après, nous avons des petits chocolats. Les recettes de l'atelier, les lingots. Raisin noisette.
C'est toi qui te bacrèles. On a trois comme ça. Mais vous savez ce qu'il fait. Il croit que c'est de la crème des pour les mains. Il aura les mains bien sucrées, je vous le dis. Ça va bien coller. Hein. Bah quoi, je teste. Non, je vous rassure, il n'a pas fait. Hein. Chiche. Trois comme ça. Moi, j'éteins. Oui, t'étales sur tout le corps, comme ça va être bien sucré, tu auras bien les guêpes autour de toi, tout ce que tu veux. Bah non, tu vas lécher. Ah non. J'aime pas le café. Bah je te mets la fraise. Tout pour avantager, je te mets la fraise. 40 centimes l'unité, hein, les petits trucs comme ça. C'est plutôt saucisson. Voilà, c'est des petits chocolats, raisins, chocolat. Ah, il y en a un autre là aussi, quatrième. Ah, mais moi ça je peux pas le manger ça. Bah t'aimes ça toi, raisin chocolat. Du curry vert moulu. Une épice, c'est la première fois qu'on a des épices. Échantillon gratuit. Quand j'étais jeune et beau, maintenant je suis moche. Un curry doux et puissant, gustatif, et il apportera la couleur de la et la fraîcheur de votre préparation. Son jambier être piquant s'accorde à merveille avec les poissons et les crustacés. Curry vert moulu. On peut mettre dans les potatoes? C'est un sachet, c'est ma chaîne. C'est un sachet. On va le savoir, c'est ta chaîne. Fais pas les règlements, les codes, mais pas. Je viens de dire, est-ce qu'on a le droit de mettre dans des potatoes? C'est tout, il n'y a rien de méchant. On ne règle pas nos comptes sur ma chaîne. C'est bon. Ça y est, il y en a un de moins. Mais je le suce, hein, je ne mords pas dedans. Vous avez la preuve. Je suis en train de sucer le chocolat. De toute façon, t'aimes bien cela, ça, c'est raisin chocolat. Donc ça, c'est du curry vert, donc on mettra dans un... On verra pour mettre dans un petit pot. Après, nous avons un joker. Ah, ça, c'est pour moi. Orange, kiwi, banane. C'est pas la banane. Il y a la défense vitaminée B, C, D, les vitamines. Bah non, il y a du kiwi, donc on ne sentira pas trop la banane. C'est orange, kiwi, banane. Donc c'est une bouteille de 9 litres. 0,9 litres. Papa, c'est quoi cette bouteille de joker? Donc voilà, donc ça coûte 2,19€ la bouteille. Mais Joker, c'est pas donné quand même. Ah, c'est de la grande marque, hein, Joker. En plus, voilà. Elle est grande, c'est bien. C'est pas une petite. Orange, kiwi, banane. Donc, on verra bien. Moi, j'ai cru que j'avais été en verre. Non, plastique. Et là, il y a une autre bouteille. Ah, c'est le fameux truc. C'est la pulpe du citron, je crois. Il y a citronnade, concombre et menthe, fleur de sureau et ginger. Ginger beer. Une saveur par box. Ouais, Christophe, il a eu aussi. Citron. Moi, j'aurais bien aimé avoir concombre et menthe pour voir. Ginger, non, parce que c'est gingembre, j'aime pas ça. Mais bon, citronnade, j'aime bien. Ah, Christophe, il a eu la même. Oui, elles sont belles les bouteilles en plus. Il y a un beau design de la bouteille. Écrit un peu la bretonne. Alors, ça s'appelle la Belle Noire, Fruit Farms. Citronnade fraîchement pressée, boisson pétillante au citron fraîchement pressé. C'est gazeux. Boisson gazeuse au jus de citron fraîchement pressé, super rafraîchissant les boissons. Belle Noire sont fabriquées à la ferme familiale au cœur de la campagne anglaise. La bébé qui joue avec le masque à papa. Eau de source avec adjonction de gaz, jus de citron fraîchement pressé, 9% de sucre. Le truc, je sens qu'il va lâcher. Ben voilà. Il est content. Il a atterri par terre. Boire très frais sans alcool, donc on va la mettre au frigo parce que voilà, c'est du citron. Une fois ouvert, quand conservé au réfrigérateur, à consommer dans les 3 jours qui suivent.
D'accord. Le raisin, il est dur. 750 ml. Ben, on va mettre au frigo. Ça fera une bonne citronnade à boire bien frais. J'aime bien oublier le design de la bouteille. Il est pas là, elle est belle. Ouais, elle est belle. C'est en septembre. Septembre-là, de cette année? Ouais. Putain. Elle est bonne. Et ça, ça coûte 2,99€. Frigo, j'ai dit. Oui, chef. Donc, vous avez 4 ou 7 minutes. En bas. Bah, où t'as de la place? À droite ou à gauche? J'ai dit où t'as de la place. Devant ou derrière? Citronnade, concombre. Alors, vous avez 4 parfums. Citronnade, concombre et menthe. Oui, oui, oui. Fleur de sureau et ginger beer. Mais ginger beer, j'aime pas, moi. Fleur de sureau, ginger, c'est gingembre. En anglais? Fleur de sureau, j'accroche pas non plus. Non plus. Par contre, concombre et menthe, j'aurais bien voulu goûter. Ouais. Oh, ça fait un goût bizarre. Donc voilà, nous avons ce qui vaut. Ce qui, voilà, nous avons eu tout ça. C'est la box de juillet à la française. Bon, ça va, on va se plaindre. Bah ouais, il y a quand même des bons produits. Pour 15,99€, franchement, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 produits. Sachant qu'on a 13 produits, que les pâtes, on en a eu 2 paquets. Les petits riz gilet, il y en a eu 2. Les petits chocolats, il y en a eu 4. Non, 3. Non, 4, t'en as mangé 1. Bah, ça fait 3. Oui, il reste 3 maintenant. Je sais même pas si ça met au frigo, ça, j'ai... Normalement, oui. Je sais pas, regarde, ça doit être marqué dessus. Bah, si, c'est du lait concentré, donc normalement. Alors, le chocolat, c'est celui-là que nous avons eu. Nestlé. 2022, ils sont bons. C'est Nestlé. C'est les recettes de l'atelier, c'est Nestlé, voilà. Régilet. Voilà. Bon, il y a pas un billet de 500 euros dedans. Après, ça, c'est la pub pour les galets bretonnes. Et puis notre carte cadeau. On regardera ça. On sera riche. On va voir ça sur internet. Donc voilà. Donc c'était la dégusta box de juillet. Que j'ai eu de bonheur cette année. À ce mois-là, je veux dire. Ouais. Alors, je vais plus vers la fin du mois, là, ouais. Mais là, j'ai déjà eu. Voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, cette vidéo, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Si la petite flèche, si la petite cloche ne fonctionne pas, vous la désactivez, vous la réactivez. Encore une boîte. Et voilà. Là, je vais faire la vidéo de la Miami Box parce qu'on l'a reçue aussi. Mais après c'est bon, je garde plus de boîte. Hein. Et après je fais pas de. Refais pas de vidéo parce que pour l'instant j'ai rien à faire. Comme je suis une grosse feignasse, donc j'ai rien à faire. J'ai une grosse feignasse, je dors beaucoup et je passe ma vie sur mon téléphone. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir, ciao. Ça ne concerne pas les abonnés spécialement qui viennent me parler. Ça concerne certains abonnés. Sur la chaîne des Bretons, ils se reconnaîtront. Bisous, ciao, au revoir.